Radio Chambly, tous vos rendez-vous sortis. Le samedi 11 avril 2015, la mairie de Chambly organise, en partenariat avec plusieurs associations de la commune, l'événement Tous au jardin et troc des plantes. Et pour vous expliquer tout ce qui va se passer pendant cette journée festive, nous avons rencontré Marie-France Serra, première adjointe à l'enfance et au grand projet. Il va y avoir des animations aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et puis surtout, le jardin, c'est un moyen de partager entre toutes les générations. C'est une transmission de savoir. À l'heure d'aujourd'hui, où les gens ont envie de revenir à des notions de partage, ça nous a paru important de valoriser des moments comme ça. Donc c'est donc, comme je le disais, la deuxième édition, c'est-à-dire que la première a bien fonctionné. La première a très bien fonctionné. Elle s'est déroulée donc en juin 2014. Et puis, peu de temps avant, justement, il y avait eu un troc des plantes qui avait été organisé par l'association des jardiniers. Et on s'était dit, pourquoi pas s'associer et en faire un grand événement, puisque la thématique reste la même, c'est le jardin. Et donc, on avait décidé de faire un seul événement en associant chacun nos envies, nos compétences, pour offrir un panel plus important aux gens qui vont venir nous voir ce jour-là. Les parents comme les enfants vont pouvoir découvrir ce qu'est le compostage, donc découvrir tous les petits insectes qui vivent dans le compost et qui permettent à la terre de se régénérer, qui donnent à manger à nos plantes pour que les plantes poussent bien, qu'ils puissent faire une belle récolte de légumes, de fruits, etc. Il va y avoir un atelier maquillage, par exemple, pour les enfants. Un atelier où ils vont pouvoir faire du rempotage et repartir avec leurs petites plantes, décorer des petits pots, apprendre à planter leurs fleurs et puis ils pourront repartir avec. À constituer également un mini herbier où avant, ils vont apprendre ce qu'est cette herbe, ce qu'est, par exemple, des aromates, pouvoir les identifier. Et puis, toujours dans l'esprit de la découverte et d'apprendre quelque chose. Et de manière ludique, alors? Tout à fait. D'accord. Ce qui est important pour les enfants. Et puis, pour les adultes, donc il y a aussi le compost qui est quelque chose d'important et qu'eux, ils peuvent vraiment utiliser s'ils possèdent un jardin. Donc, j'ai vu que vous êtes associé pour cette partie-là avec la communauté de communes du Pays de Telle et le CIMOV, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, la communauté de communes du Pays de Telle, parce que c'est eux qui ont la compétence de la gestion des déchets. Donc, c'est aussi pour important de valoriser, de créer le moins de déchets possible. C'est aussi le but du compost, qu'au lieu de jeter aux épluchures de légumes ou quoi, vous pouvez donc le mettre dans votre compost et faire un recyclage. Et puis le CIMOV, ils vont surtout intervenir au niveau d'animation pédagogique avec les enfants pour leur expliquer quel est l'insecte, son rôle dans le compost, etc. Donc il y a aussi une vraie volonté de sensibiliser les enfants à tout ce qui est environnement, jardin, biodiversité également. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à cet effet, puisque la thématique tourne un peu autour de l'insecte quand même cette année, on essaye de trouver toujours une thématique un peu phare tous les ans. Et va y avoir par exemple un insectobus qui va être présent. Et ils vont proposer des ateliers, notamment pour les enfants, pour découvrir les insectes. En plus, l'événement ayant lieu dans le parc Chantemesse, on est entouré d'arbres. Ils vont pouvoir partir à 2-3 moments dans la journée, aller découvrir des insectes qui sont dans notre environnement quotidien. Ouais, nul doute que ça plaira beaucoup aux enfants. Je pense. D'accord. Et donc pour la suite, donc vous disiez troc des plantes, c'est-à-dire que les associations de la commune, à savoir les Jardiniers de France et les Jardins Familiaux de l'Oise seront présents. Ce jour-là, ils viennent avec, comment ça fonctionne? Ils viennent avec leurs petites pousses En fait, chacun vient effectivement avec ses petites pousses et ils vont procéder à des échanges pour après pouvoir faire leur plantation. Ça va être la pleine période des plantations. La période de tout ce qui est semis et tout ça commence, d'accord. Oui, c'est vraiment un moyen aussi de faire un moment de partage et de mixer les compétences de chacun, puisqu'on va retrouver aussi différents services municipaux, tels que la bibliothèque, qui va proposer sa séance bébé lecteur, qu'ils font assez régulièrement, mais là ils vont la faire ce jour-là au parc Chantemesse sur la thématique des jardins.
Ensuite, il va y avoir le service des espaces verts qui vont être là, qui vont valoriser la gestion différenciée de comment ils traitent au quotidien tous nos espaces verts publics, les bords de route, toutes les jardinières, tous les parterres, etc. Voilà, c'est aussi une façon de valoriser leur travail parce que c'est un petit peu les gens de l'ombre, on va dire, puisque au quotidien, on ne se rend pas toujours compte du vrai travail qu'ils font, qu'ils aiment leur métier, qu'ils ne le font pas n'importe comment. Donc c'est aussi important qu'ils soient présents ce jour-là pour que le public puisse découvrir leur façon de travailler et pourquoi ils le font. Il y a aussi un événement nouveau cette année en même temps, c'est qu'on a l'association La Palette qui sera présente. Donc comme ils ont déjà peint justement dans les jardins avec les jardiniers, ils vont en profiter pour venir exposer toutes leurs créations sur le thème des jardins. Donc venez nombreux parce que je pense que vous allez y voir de belles choses et il y aura également des expositions autres. Voilà une journée très complète avec beaucoup de stands et d'animations. Vous pourrez même y pique-niquer sur place puisque l'association des employés communaux sera là pour vous proposer tout un tas de douceurs. À noter également que votre radio préférée tiendra un stand ce jour-là. C'est en effet la semaine des 2 ans de Radio Chambly. Nous vous ferons donc gagner des cadeaux. À très bientôt donc et si vous souhaitez retrouver le programme complet de l'événement, rendez-vous sur www.ville-chambly.fr. Actualité municipale, associative et culturelle, vous écoutez Radio Chambly, la radio de tous les Camblysiens.